C'est ça la télé nous ramène aujourd'hui sur le plateau de Georges et Benson de Reçoit. Dans ce premier extrait daté du 2 janvier 1982, vous reconnaîtrez la diva Aïcha Koné, Alphonse Bilé, l'actuel président du basketball africain et Fulgence Cassi en interview avec le ministre Laurent Donafologo. Alors, Bilé, vous n'êtes plus bleu dans l'affaire, vous êtes médaille d'or. Ça a mis du temps, hein? Non, ça n'a pas mis du temps. Il fallait, je crois, construire une bonne équipe. On a perdu, je crois, 3 fois contre le Sénégal. Et maintenant, je pense que ça va. À quel âge as-tu touché à ton premier ballon de basket? J'avais peut-être 18 ans. Tu avais 18 ans? Mais tu n'es pas grand, Bilé. Tu fais 1 mètre combien? 78. 1m78? Mais le panier, il est à quelle hauteur? Parce que avec les bas Florent, les Hello, les Michel, et tout ça, c'est un autre langage. Et cependant, on dit que tu es le meilleur. On t'a fait capitaine, tout ça? Non, le panneau d'avant, il a 2m75. Mais ce n'est pas ça le problème. Moi, je joue en arrière, c'est-à-dire ce qu'on appelle les gardes en anglais, c'est-à-dire playmaker. Lui joue en arrière, c'est-à-dire the guard, c'est-à-dire playmaker. Ah bon, c'est toi qui fais le jeu. Je vais expliquer, voilà, c'est-à-dire le distributeur. Si tu, enfin, si vous voulez, je réfléchis un peu pour les autres, quoi. Ah, en tout cas, si c'est moi les autres, mon vieux, ils sont là, hein. Oui, non, c'est-à-dire, moi je suis en arrière, je vois la défense de l'équipe. Bon, la position des pivots, la position des ailiers ne leur permettent pas tout à fait de bien voir ce qui se passe. Moi, je suis vraiment en arrière, donc je vois tout, je vois les failles et tout ça. Puis bon, en conséquence, je joue. Ah, tu vois les failles, surtout quand c'est les Sénégalais qui sont en face, quoi. Tu vois toutes les failles, tous les failles. Hein? Bon. Bien, en tout cas, nous avons été très heureux d'apprendre que vous aviez gagné. Je voudrais simplement savoir si M. Fologo a ouvert sa porte. Allô, j'ai failli dire Laurent. Allô. Maintenant au domicile de monsieur Laurent Donafologo, le premier responsable du département de la jeunesse et des sports. Ben bravo, alors, monsieur le ministre, en ce début de la nouvelle année 1982, est-ce qu'on pourrait vous demander très rapidement pour nos téléspectateurs ce soir de faire un bilan de 1982 dans le domaine qui vous intéresse et puis de nous faire part de vos espoirs pour 1982? En ce qui nous concerne au sport, nous avons motif à souligner particulièrement en cette fin d'année les points de lumière. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire a remporté en 1981 la Coupe de l'UFOA, c'est-à-dire nous sommes le numéro 1 du football de l'Ouest africain, c'est-à-dire des États membres de la CEDEAO au nombre de 16. Ensuite, vous le savez aussi, nous avons fait de façon éloquente très bonne figure à Yamoussoukro en organisant en 1981 les Jeux universitaires ouest-africains où la Côte d'Ivoire
a été également première. Et cela s'est passé dans le village du citoyen le plus illustre du pays. Et c'est pas peu dire. Enfin, là aussi, et c'est tout frais, et vous le savez également, la Côte d'Ivoire, pour la première fois depuis de longues années, vient enfin de gravir la dernière marche du basketball continental. Notre équipe nationale de basketball est maintenant championne du continent. C'est très important. Les Ivoiriens ont tort de ne pas s'intéresser suffisamment au basketball. Je suis sûr que dans quelques temps, et c'est les espoirs, dans quelques temps, avec la salle couverte du parc des sports, qui comprendra près de 4000 places, les Ivoiriens découvriront le basketball et le basketball sera, j'en suis sûr, aussi populaire que le football. Ce 2 janvier 1982, Feu Louga François était aussi sur le plateau de George Tay Benson. C'est ça la télé, vous fait revivre ici les déhanchements et la voix suave du papa national. Restons toujours sur le plateau de George Tay Benson. Après le Papa National, suivons la prestation du Goumbé d'Abidjan avec l'un des grands danseurs du moment, Gary Copé.
Dans le numéro précédent, on vous a présenté l'arrivée du pape Jean-Paul II en Côte d'Ivoire. Eh bien aujourd'hui, nous présentons un autre des grands moments que les Ivoiriens ont passé en compagnie du souverain pontife. La RTI était encore là pour vous téléspectateurs à l'occasion de sa deuxième visite au pays du Fouet-Boigny pour consacrer la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Que resplendisse dans l'Église la lumière du Christ, afin que viennent tous les peuples à la plénitude de la vérité. Thank you.
Quand on fait honneur à son pays, on reçoit des félicitations de la République. Après sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'Atlanta aux États-Unis en 1984, Gabriel Thiaco a reçu par le président Faure Boigny, votre télévision était là pour vous. Aucun secteur n'a jamais été oublié par le père de la nation. C'est pourquoi, dès qu'il a appris la réussite de notre compatriote aux Jeux Olympiques, il a pris des décisions fort heureuses, fort généreuses, que je suis heureux de vous annoncer. Tout d'abord, notre compatriote qui est étudiant aux États-Unis se verra accorder une bourse spéciale pour prendre en charge toutes ses études jusqu'à leur terme, tout en lui permettant de continuer la pratique sportive de haut niveau dont personne n'ignore les exigences dans ce pays de la rigueur et du travail que sont les États-Unis d'Amérique. Ensuite, notre compatriote sera dès ce soir distingué dans l'ordre national de la Côte d'Ivoire en présence de tous les sportifs ivoiriens. Il sera également distingué dans l'ordre du mérite sportif de notre pays. Enfin, Monsieur le Président de la République tient à remettre une aide particulière, spéciale à M. Thiaco en lui donnant ici même 20 millions de francs CFA. Le président de la République tient également à récompenser la maman, la mère de M. Thiaco. Nul n'ignore les sacrifices d'une mère pour son fils et surtout pour lui donner l'éducation que nous avons découverte à travers le comportement de notre compatriote. C'est pourquoi le président de la République remet à la maman de Thiaco 5 millions de francs CFA. Le président de la République n'a pas oublié les autres athlètes qui étaient à Los Angeles et qui ont pris part aux différentes compétitions, chacun faisant ce qu'il pouvait. Pour les féliciter et les encourager à continuer cet effort en vue de Séoul 88, mais aussi et surtout avoir toujours ce comportement digne de l'Ivoirien bien éduqué, le président offre aux athlètes qui étaient à Los Angeles une somme de 10 millions de francs CFA. Voilà, mes chers compatriotes, des mots qui valent tout leur poids. Chacun doit savoir en Côte d'Ivoire, paysan avec la Coupe nationale du progrès, étudiant avec nos premiers agrégés, ouvriers, sportifs, musiciens, tous doivent savoir que chaque fois qu'ils mériteront de la nation, le père de la nation sera là pour leur dire bravo et leur serrer la main à sa manière. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour tous ces gestes que vous avez faits pour nous. Je vous remercie de tout cœur, en mon nom personnel et en mon nom de la famille. Comme je l'ai dit après ma course, cette médaille que j'ai pu remporter, c'est celle de la Côte d'Ivoire, c'est la vôtre, c'est celle de tout le pays. Je voudrais donc aujourd'hui pouvoir vous la remettre. Je m'adresse aux sportifs. Je voudrais que vous fassiez confiance pour que la moisson soit de plus en plus belle. Et que de Séoul, vous nous rapportiez des médailles d'or, d'argent et de bronze.